Messieurs, dames, bonsoir, je suis sûr que vous l'attendiez impatiemment, alors on est reparti pour un tout nouveau Rewind de Twitch. Cette semaine, direction l'autre bout du monde, chez Matt Pellerin de la Team Québec, où je crois que l'expression « ce qui devait arriver arriva » prend tout son sens. Non mais c'est vrai, c'est cool, non ? On dit que dans le temps, il n'y a jamais que... Je trouve ça cool. Fin de la cinquième semaine pour la Ligue française de League of Legends et la Team BDS Academy ne s'illustre pas que sur la faille vu qu'ils enchaînent Masterclass sur Masterclass pour troll les fins de game. Oupinez. L'early BDS, il était pas fameux. Oh non. Moi j'ai trouvé ça très bien. Moi j'aime beaucoup. Bon, on a déjà vu la catastrophe que pouvait provoquer LOL chez certains. Je parle de toi, Rivenzi. Mais si là je peux vraiment essayer de donner un conseil à Inox, lâche surtout pas l'Everest, mon gars. Là, ça fait depuis une semaine, j'apprends le jeu. En mode last hit, aller faire les dragons et tout. Ouais, ouais. Après, normalement, avec Kion, t'as pas besoin de faire les dragons. Tu joues mid ou top? Mid, top, je me faisais arracher. En tout cas, ça marche, Kion, hein. Attends, parce que j'ai envie que tu me dises si je pue sa mère ou pas, en fait. Non, mais là, ça marche, lâche pas, hein. Une vraie terreur avec son Yone, dis donc. Et une encore plus grosse terreur sur son Kennen, qui met 3 heures pour venir aider sa botlane. Bon, vas-y, je vais aider Kamel. Voilà le Graves. C'est quoi, je vais aider Kamel? Mais tu l'aides, tu suis ton mid. Non, Akali, c'est trop, c'est quoi ce personnage Ethan? Akali, regarde, qu'elle arrive, je vais la flinguer, regarde bien. Mais quel vol, frère! T'as tout fait, hein! J'étais dans son bac, il m'a vu arriver, il a dit non, faut pas qu'il prenne! T'as tout fait, gros! Putain, désolé, Inox, désolé. Aucune synchronisation, visiblement, du côté de Kamel et Inox. En revanche, entre Trivia et DFG, c'est parfait et sans trucage. Juste le temps de... S'il y a bien un stream que je n'aurais jamais imaginé voir sur Twitch, c'est bien le marathon d'Elian ce week-end. Petit délire Looners avec les 3000 ballons dans son tout petit appartement. Enfin, plus que 2996 maintenant. Ça c'est bien ça. Là t'as des photos de fou toi. Ah ouais, vas-y, ah, refais. Oh putain! Le cactus est dans les ballons, mec. Qui dit marathon dit forcément très grosse fatigue pour notre Elian et il serait peut-être temps d'aller dormir un peu. Bonne nuit. Bon bah là c'est le lit là. Là je pense que tout le monde a deviné que là c'était le lit. On va dans le lit? Allez, on va essayer d'aller dans le lit. Bon, on va pas se refaire une phase sur les problèmes techniques en stream, on a eu notre dose la semaine dernière avec Kof Fefe. En revanche, il faut avouer que 99% du temps, les problèmes ne viennent pas du matériel. Non, non, non. Ok, ça m'a fait se reconnecter, là j'ai un écran noir. Essaye de fin de tâche le jeu ou de Alt F4 sinon. Alt plus. F4. Non, ça fait rien. Alt F4, ça fait rien? Ouais. Refais Alt F4 une deuxième fois au cas où ça t'a ouvert une petite fenêtre cache. J'ai fait deux fois. Ok, alors refais Windows. Oh merde, j'ai fermé Streamlabs. Ça inquiète le stream? Non, non, t'inquiète, on a un stream. Nouvelle saison de la découverte sur WoW Classic et on retrouve bien évidemment notre team préférée pour quelques petits raids. Pompon a beau être un très bon shaman tank, il n'en reste pas moins très très naïf. On saute. Vas-y, ok, pense, saute. Regarde. Saute, vas-y. Saute, pense. Arrêtez, j'ai trop envie de le faire, c'est horrible. Ah, mais on peut pas! Y'a un mur! Non, c'est vrai? Ah, si, oui, il a raison, il a raison. Ok. Il va sauter! Ah là là, tout pour les caméras celui-ci. On approche doucement de la fin de ce rewind et comment oublier le passage d'étoiles au Genesis qui montre tout simplement au meilleur Pac-Man du monde la force d'un streamer culture. Il a le Galaga qui est sorti, il a pas réussi à le faire. Attends, oh, c'est Billy! C'est Billy! Étoile!
Étoile qui aime cette recul qui l'envoie en loser bracket. Étoile qui est qualifié en top 128. Winner. Wesh. Et c'est bien évidemment sur les Streamer Awards que l'on va se dire au revoir. Vous avez été très solide et la propagande a bien marché. Roulement de tambour et à la semaine prochaine tout le monde. The winner of the best fighting game streamer is Etoile. Bonjour. Sorry, English is not my first language, so it's going to be hard. Thank you so much. It's like crazy. Smash is my favorite game since I'm a kid. Having so much support from everyone is amazing.